الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ سير شيخ فرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Bukhari est un savant qui jouit d'une grande renommée et d'un grand respect au sein de la communauté musulmane. Il est connu pour son livre, le Sahih, l'authentique d'Al-Bukhari. Quand on lit ou quand on entend que telle parole attribuée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari, on dit tout de suite que cette parole a été vraiment dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire authentique. Seulement, ces dernières années, le Sahih d'Al-Bukhari fut la cible de critiques et d'attaques. Nous voudrions vous poser quelques questions à ce sujet. Mais avant tout, nous voudrions que vous nous donniez une idée brève sur Al-Bukhari et son œuvre, le Sahih. Alors l'imam Al-Bukhari, il s'appelle Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizba Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est en référence à Bukhara, qui se trouve au cœur de l'actuel Azerbaïdjan. Il est né en 194 de l'Hégire. Il est né au mois de Shawwal, le 13, 194 de l'Hégire, c'est-à-dire 810 de l'ère chrétienne. Parfait. Et il est mort en 256 de l'Hégire, le même mois, le mois de Shawwal, la veille de la fête de la rupture du jeûne. C'est-à-dire vers 870 de l'ère chrétienne. Alors 256 de l'Égypte, 870 de l'ère chrétienne. Il a vécu 60 ans. 60 ans il a vécu? Ouais, il a vécu 60 ans. Et son œuvre, le Sahih d'Al-Bukhari, elle s'appelle Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar. Je vais traduire. Al-Jami' المسند الصحيح المختصر لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع faut être très précis quand on lit l'imam al-Bukhari, parce que c'est quelqu'un de consistant et chaque mot a sa valeur. Alors al-jami' c'est livre de synthèse de la sunna. Al-jami' al-musnad al-sahih, ça veut dire que les hadiths qui sont accompagnés de leur chaîne de transmission, de leur chaîne de narrateurs, sont authentiques. Al-Musnad, ça veut dire muni de chaîne de transmission. As-Sahih, ça veut dire les hadiths authentiques. Les hadiths authentiques, sur quoi? Ils traitent de quoi? Al-Mukhtasar, qui résume. Qui résume quoi? Al-Mukhtasar li umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous résume les affaires de l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sunanihi. Il nous résume ses affaires, ses sunan, ses pratiques, ses paroles qu'Allah appuie par la révélation. Et ça veut dire sa biographie, ses expéditions, sa vie avec, au milieu de ses épouses, au milieu de ses compagnons, sa réception des délégations, etc. Donc c'est ça le sahih de l'imam al-Bukhari. Alors, pour qualifier l'imam Bukhari et son œuvre, je dis que le Sahih de Bukhari constitue un trésor humain vivant et un rempart inébranlable. Un trésor dans le sens où il constitue une référence à travers les époques, une référence en matière de sunna, matière religieuse, une référence en matière de spiritualité, une référence mystique, juridique, historique, politique, économique, parce qu'on trouve dans son livre tout ce qui concerne les adorations, la vie spirituelle, les transactions, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc c'est un trésor à travers les siècles, qui constitue une référence pour les différentes civilisations, hein, civilisation abbasside, civilisation andalouse, et jusqu'à aujourd'hui, il constitue une référence partout dans le monde, dans les prêches du vendredi, dans les exhortations, les cours. L'imam Bukhari est présent, il est vivant, il est avec nous.
Et il constitue un rempart inébranlable parce que bon, c'est un rempart sur lequel se sont brisées toutes les tentatives de déconstruction de la sunna, toutes les tentatives de diabolisation de la sunna, que ce soit par les sectaires ou par certains orientalistes et par les détracteurs de l'islam, et aujourd'hui par certains islamologues et certains laïcs. Comment peut-on juger que les hadiths qui se trouvent dans le Sahih d'Al-Bukhari sont tous authentiques alors que 2 siècles séparent Al-Bukhari du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous sommes face à un trou de 2 siècles qu'il va falloir combler. Avec le temps, les traditions se perdent et sont sujettes à des erreurs de transmission, des ajouts, des omissions, à l'altération. Ben ça, c'est tout le travail de l'imam Bukhari, c'est de combler cette lacune-là. Et puis, l'imam Bukhari et tous les savants du hadith, ils disposent d'une méthode de critique des narrateurs. Et pour rapporter un hadith, pour rapporter un hadith, il faut qu'ils reviennent aux transmetteurs, c'est-à-dire les intermédiaires entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith n'est authentique que s'il repose sur une chaîne de transmission continue et une chaîne de transmission sûre. Ça veut dire que les narrateurs doivent être fidèles, doivent être probes dans leur transmission du hadith prophétique. Et voilà. Mais qui a établi cette chaîne de transmission? Sur quoi on se base? Non, mais ça, c'est au départ. Au départ, bon, quand les gens, ils disaient, le professeur Salem a dit, c'est-à-dire à l'époque des disciples, des compagnons. Tout le monde prenait leur hadith, c'est-à-dire parce que bon, il leur faisait confiance. Mais après, bon, le mensonge s'est immiscé dans la tradition des menteurs, attribuer n'importe quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis cette époque-là, s'est élaborée cette science de critique du hadith. Et l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, tous les hadiths de son sahih, ils reposent sur des chaînes de transmission. D'accord? Je vais donner un exemple. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, le premier hadith, qu'est-ce qu'il dit l'imam Bukhari? Il dit Haddathana al-Humaydi. Là, je vais donner un exemple des narrateurs et du hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Bukhari a dit Haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi, c'est un narrateur, il nous a transmis par voie orale de maître à élève, il nous a transmis ceci. Il a dit Haddathana Sufyan. Sofiane nous a transmis par voie orale de maître à élève, il nous a transmis ceci. Là, on s'approche de l'époque du professeur Salam Humaydi, l'imam Humaydi, puis Sofiane ibn Uyayna, puis Sofiane a dit Haddathana Yahya ibn Saïd al-Ansari. Yahya ibn Saïd al-Ansari nous a transmis par voie orale de maître à élève ceci. Il a dit Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, il m'a informé il m'a informé qu'il a entendu Alqama ibn Waqqas al-Laythi Alqama, c'est un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vécu l'époque des compagnons. Alqama ibn Waqqas al-Laythi a dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab sur le minbar, sami'tu Omar ibn al-Khattab على المنبر قال كيس كان دي عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي اونتوندو لانفويي دالله صلى الله عليه وسلم دير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنيا يصيبها والى امراه او الى امراه او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. C'est-à-dire, là, je cite le hadith tel qu'il est rapporté ici, parce qu'il y a différentes versions de ce hadith-là. C'est très précis, comme j'ai dit, avec le Bukhari. Donc là, j'ai une chaîne de transmission où chaque narrateur déclare avoir entendu le narrateur qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire son cheikh, il déclare qu'il a entendu le hadith de sa bouche. Et donc, j'ai une chaîne continue de narrateurs qui sont sûrs. Nous connaissons ces savants-là. Al-Humaydi, nous le connaissons. Il est même l'auteur d'un musnad, d'un recueil de traditions. Nous connaissons Sofiane ibn Uyayna al-Kufi. Nous connaissons Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui est le cheikh de l'imam Malik. Nous connaissons tous ces narrateurs-là. Nous connaissons leur biographie.
nous connaissons leur degré canonique, c'est-à-dire leur probité et la fidélité avec laquelle ils transmettent les hadiths. D'accord? Donc ça, j'ai six intermédiaires entre l'imam Bukhari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça qu'on procède l'imam Bukhari. Il impose comme condition la contemporanéité pour qu'il n'y ait pas de lacune historique. Quand quelqu'un dit j'ai entendu l'imam Malik dire, alors qu'il n'est pas contemporain de l'imam Malik. Donc ça, on récuse. Et il a imposé d'autres conditions strictes. Ce qui fait que son livre soit le livre de tradition le plus authentique. D'accord? Et bon, il les a triés sur le volet. Et c'est 7563 hadiths, là si on compte les répétitions, triés à partir de 600 000 hadiths. Quand vous Et dites ce travail a duré 16 ans. il a trié sur le volet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trié les hommes, les rapporteurs qui sont les plus probes et les plus sûrs, des savants, des éminents savants, qui sont connus, ils ont été testés, on a testé leur mémoire, leurs disciples les ont testés, et c'est prouvé que ce sont des rapporteurs dignes de confiance. Moi aussi, je vous ai posé cette question, c'est parce que certains disent qu'on n'a pas besoin de chaînes de transmission. Ils disent que des noms de rapporteurs ont été inventés, des chaînes de transmission ont été inventées, alors qu'ils n'existent pas dans la réalité. Des hadiths ont été inventés, la sunna a fait l'objet de manipulations à des fins politiques ou sectaires. Tout cela est flou et qu'il faut recourir à d'autres méthodes d'évaluation et de tri de notre patrimoine, notamment le Sahih d'Al-Bukhari. Qu'en dites-vous? En fait, cela est flou dans la tête de quelqu'un qui a le flou dans son esprit. Mais tout est clair. Alhamdoulilah. Oui, il existe des rapporteurs qui ont menti. Des hadiths inventés, des chaînes de transmission ont été inventées aux toutes pièces. Oui, mais nous le connaissons. Ils se trouvent dans d'autres corpus. Ils sont dénoncés. Les rapporteurs faibles qui sont d'une autorité canonique faible et les rapporteurs qui ont été des menteurs, qui ont inventé des récits, ils se trouvent, on a leur statut, leur biographie et tous les renseignements sur eux dans des ouvrages, comme par exemple Du'afa d'Al-Uqayli, le livre des faibles de l'Uqayli, le livre des faibles, des transmetteurs qui sont de faible autorité, d'Ibn Hibban. Al-Bukhari aussi, il a écrit un livre sur les rapporteurs faibles et les narrateurs qui ont menti. Et les chaînes de transmission qui ont été forgées toutes pièces, elles ont été dénoncées. Donc ce n'est pas. La science du hadith, c'est une science qui est une science exacte et qui a fait l'œuvre de beaucoup de soins. Et on était à l'époque, à cette époque-là, le premier siècle de l'Hégire, on était ce qu'on appelle l'époque de la riwaya, de la transmission des hadiths, c'est-à-dire que des assemblées, des séances organisées à cette fin. Et donc, si quelqu'un s'immisce et dit, le professeur a dit telle chose et telle chose, on lui dit, de qui tu as rapporté ce hadith? Donc, s'il dit, je l'ai rapporté de tel narrateur, on va chercher les autres disciples du cheikh et qui ne rapportent pas la même chose et il va être dénoncé. Il y a des techniques, il y a des méthodes de dénonciation des faux rapporteurs et des faux hadiths. C'est vrai que ça a été fait à des fins sectaires, comme les chiites, ils ont beaucoup inventé de faux hadiths, et aussi politiques, parce que bon, certains racontent des hadiths sur le mérite, par exemple, des Abbassides, de tels. Ou des hadiths qui diabolisent les Omeyyades, mais tout ça, il passe sur le crible des grands savants qui sont des savants de ce qu'on appelle jarh wa ta'dil, des savants de réhabilitation et de récusation des transmetteurs. C'est une science vraiment exacte. Ils disent par exemple qu'il faut juger les hadiths en fonction de ce qu'il y a dans le Coran. Ce qui est compatible avec le Coran, on le garde, et ce qui est incompatible avec le Coran, on le rejette. Mais là, c'est carrément le rejet de toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu, ce que le prophète vous a apporté, prenez-le. Qu'est-ce qu'il nous a apporté, le prophète? Ben, il nous a apporté la sunna, et cette sunna nous a été transmise de maître à élève jusqu'à ce qu'elle est parvenue jusqu'à nous, avec toutes les méthodes critiques sophistiquées qui ont été développées à cette époque-là, à l'époque de la narration. Donc, Allah nous a ordonné de suivre la sunna. Et cette sunna nous a été transmise. C'est la deuxième révélation. Et les rapporteurs qui nous ont transmis cette sunna sont des rapporteurs sûrs. Et les rapporteurs qui sont douteux, ils ont été dénoncés. Donc, nous avons besoin. Quel est notre but? C'est ce qui est sorti de la bouche du prophète sallam. C'est ce qu'a fait exactement le prophète sallam. D'accord? C'est ça qui nous constitue pour nous une référence dans notre vie, dans les différents domaines de notre vie économique, sociale, etc. D'accord? Donc, faire comme ça, trier les hadiths selon le Coran, d'ailleurs, sur quels critères on va le faire? Sur quels critères on va faire cette compatibilité entre le texte du hadith et le texte du Coran, et rejeter le hadith qui est incompatible et prendre le hadith qui est compatible? Comment? Sur quels critères? Là, c'est la porte ouverte à toutes les passions, parce que chacun va juger, il dit: ce hadith-là, non, il n'est pas compatible. Ce hadith-là a une honte près dans sa tête. Il dit les hadiths sur le châtiment de la tombe, non, 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 ça rentre pas dans. Alors, normalement, notre but, c'est de nous en remettre à la sunna comme deuxième source, comme deuxième révélation, parce que c'est la sunna qui est juge sur nos actes. C'est la sunna qui juge nos actes. Et là, selon cette méthode-là, on inverse la donne, c'est-à-dire que c'est nous qui nous érigeons en juge sur la sunna. Notre raison déficiente va juger la révélation divine, parce que le prophète Mohammed il ne parle pas sous l'empire de la passion. En appliquant cette méthode, on arrache, si vous voulez, on arrache la sunna. On arrache la sunna de ses porteurs, les grands savants, les compagnons, leurs disciples, les quatre imams, des grandes écoles, et d'autres imams, l'élite de notre communauté. On va arracher la sunna de leurs mains pour la livrer à nos passions. Appliquer cette méthode, c'est se livrer à cette voie-là, périlleuse. Non, nous avons un trésor, nous avons un corpus extraordinaire qui fait notre fierté et qui n'existe dans aucune autre nation. Ça fait la particularité de notre communauté, cette science, la science de la réhabilitation et de la récusation des rapporteurs, et les méthodes de critique des hadiths. Et la conservation de l'histoire, nous sommes une communauté qui a très bien su conserver notre patrimoine historique en se basant sur les chaînes de transmission. Science qui n'existe, comme j'ai dit, dans aucune autre communauté. D'autres vont plus loin en proposant une méthode historico-critique d'étude du Coran et de la Sunna qui met en œuvre l'anthropologie, la philologie et les sciences sociales. Ça, c'est surtout. Ces méthodes-là sont surtout proposées par les islamologues et par leurs prédécesseurs, les orientalistes. Ils s'inspirent de ces méthodes-là, qui sont des méthodes propres à l'Occident, dans leur lecture de l'histoire. C'est ça, leur référence. Bon, je ne veux pas aller en détail dans cette question-là, mais je vais citer un orientaliste, ce qui constitue la référence de ces gens-là, de ces islamologues, parce que surtout il y a des islamologues musulmans qui proposent ce genre de choses. Harkoun et son groupe. Bernard Lewis, un orientaliste, il est né en 1916. Il est encore vivant, c'est un centenaire, c'est un vétéran dans l'orientalisme, c'est un spécialiste du monde musulman, spécialiste du monde arabe, spécialiste de la civilisation ottomane. Qu'est-ce qu'il dit dans un livre qui s'appelle Islam in History?
Qu'est-ce qu'il dit sur la méthode des musulmans dans la critique du hadith? Il a dit très tôt, les musulmans ont été conscients de la dangerosité des faux témoignages et des fausses doctrines. Et ils ont développé une science de la critique des traditions. La science traditionnelle, comme ils disent, comme on l'appelle, ça c'est ses propres paroles. La science traditionnelle, comme on l'appelle, diffère de plusieurs points de vue de la méthode historico-critique, de la méthode historico-critique moderne. Et il a dit, alors que les études modernes ne cessent de dénoncer, de contester l'évaluation de l'authenticité et de l'exactitude des récits anciens, on trouve chez les musulmans l'examen minutieux des chaînes de transmission, leur méticuleuse collection et la préservation des traditions des erreurs de transmission. Ah, c'est ses propres mots, hein, des erreurs de transmission. Et il a dit, cela, je me rappelle bien de ce qu'il a dit, bon, la page 104, la page 105 de son livre Islam in History. Il a dit, cela a doté l'historiographie arabe médiévale d'un professionnalisme et d'un développement sans pareil, sans précédent, et qui n'a pas de pareil en Occident durant la même époque. Et il a dit, si on fait la comparaison, l'historiographie de la chrétienté latine paraît pauvre et maigre. Et même l'historiographie sophistiquée et complexe de la chrétienté grecque est encore loin derrière la littérature historique musulmane, que ce soit en volume, que ce soit dans la diversité et que ce soit dans la profondeur de l'analyse. Ce sont des mots qui sont restés ancrés dans ma tête et que j'ai lu de son livre. Alors là, ce sont des propos d'un orientaliste. Vous savez, Bernard Lewis est le premier inventeur de la phrase « le choc des civilisations ». Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas un ami des musulmans. Mais je le cite parce qu'il constitue une référence pour ces gens-là, pour ces islamologues-là. D'accord? Donc, c'est un témoignage vrai émanant d'un orientaliste qui a étudié en profondeur les œuvres de la critique du hadith des musulmans.